Ça fait un peu gay. Ça fait vraiment gay. Oh, attention à ce que tu fais. Donc ben voilà, mais aujourd'hui l'émission c'est sous le signe de l'amour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui on est le 13 février, pas la 14, la Saint-Valentin c'est demain. Donc j'espère que vous êtes déjà chez vous, préparatifs. Les gandés à jeter les petites pétales de rose là. L'épilation. Dans la salle de bain depuis ce soir là. Alors les filles, vous la Saint-Valentin, déjà bonsoir Chocolat, comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi-même? Alors, Chocolat en mode. En mode comme tous les jours. Le feu comme oui, le feu comme Cupidon. Ouais, Cupidon. Ah, mais c'est vrai, je suis Cupidon, j'ai formé pas mal de couples. Je te promets. D'ailleurs, tous les couples que j'ai pu former, plan du jour, plan de la nuit, plan de l'année, un petit coucou. Et sinon, notre Chocolat. Charlène Kébé. Qui est là. En fait, c'est entre Charlène et Stéphie, c'est le chat et la souris. Quand Stéphie est là, Charlène n'est pas là. Quand Charlène est là, Stéphie n'est pas là. Mais Charlène, oui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors là, Saint-Valentin, toi, c'est le deuil. Temps noir, le deuil national. Cette radine-là ne fait pas la Saint-Valentin, forcément, quand pas même. Pas la Saint-Valentin. Alors, vous sentez comment la Saint-Valentin? Non, mais c'est comme tous les jours. Ok, d'accord. Mais Yannick, tu peux nous couper le son et puis. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu d'amour. De tout ce qu'il y a autour de la Saint-Valentin, on est là autour de la table. On reçoit aussi Ivy Jalta qui sera présent avec nous, qui a sorti son dernier clip. Et on aura, pour clôturer l'émission, le groupe Mada Vibes. Mada Vibes en mode ambiance carnaval comme la semaine dernière. Donc, ben, tout voilà. Pour toi. Ben, les filles, alors, un petit mot sur la Saint-Valentin. Pff, moi, c'est un jour comme tous les jours. Normalement, si ta moitié te couvre d'amour, de tendresse, et d'affection et de tout ce qui va avec, tu es censé vivre une Saint-Valentin de janvier à décembre. Donc je ne fête pas la Saint-Valentin. Pour moi, c'est une fête commerciale. Et puis j'aime pas patienter dans les restaurants. Donc la Saint-Valentin, je suis sûre que ce sera blindé, que le menu. Tu veux préparer un repas chez toi? Mais je fais déjà à manger tous les jours, donc ça va rien changer. Ce sera un truc banal. C'est vrai que moi aussi, moi j'avais dit de la Saint-Valentin, c'était une fête commerciale, mais il faut quand même un jour pour manquer. Je sais pas qu'est-ce que Charles me regarde sur moi comme ça, elle me regarde comme ça. La Saint-Valentin, c'est quand même un jour. On a bien la Noël, un jour pour l'anniversaire, et c'est bien de manquer comme sauf un jour pour les amours. Oui. L'amour, c'est tout. Ah, mais la date d'anniversaire de notre rencontre. Tout. Voilà, à la rigueur, on peut fêter la date de notre rencontre. Ça, c'est un truc qu'aucune toi, femme n'oublie. Tu fais partie de celles et ceux qui sont anti-Saint-Valentin. Je ne suis pas anti-Saint-Valentin parce que j'adore les cadeaux. Mais moi, je ne fais pas de Saint-Valentin. Voilà. Donc, offrez-moi des cadeaux. Je suis contente. Mais pourquoi offrez-moi des cadeaux? J'ai souvent l'impression que la Saint-Valentin, c'est l'homme qui doit offrir à la femme, mais jamais la femme qui doit offrir à l'homme. C'est souvent l'homme doit faire, l'homme doit offrir. Je vais te dire un truc. La femme, elle a tendance à acheter tous les autres jours. Est-ce exactement. Que vous comprenez? Je confirme. On voit un t-shirt, on dit « Oh, je vais prendre ça pour lui. Oh, ça va lui plaire. » On voit un parfum. On voit... Mais vous, aïe, aïe, aïe. C'est pour vous la Saint-Valentin, c'est pas pour non, bien. Moi, je ne suis plus dans ce cas. Donc... Je pense est-ce que tu fais partie des femmes qui seraient prêtes à dire « Bon, ce soir, pour la Saint-Valentin, je t'emmène au restaurant, mais c'est toi qui payes le restaurant. » Ah non. Ah, c'est moi qui paye le restaurant? Mais si tu as dit « Je t'emmène au restaurant, c'est que tu payes. » Ben oui, ça peut m'arriver, mais pas non, à la Saint-Valentin. Pas à la Saint-Valentin, tu ah peux non, pas. Je et toi, pas. Tu peux et toi, Chocolat. Moi, mais bien sûr. Si je dis « Je t'emmène au restaurant, je t'emmène au restaurant », je vais payer. Mais après, la Saint-Valentin, tu dis que c'est la Saint-Valentin, ce jour-là, j'aime non, pas non. Être dehors. Franchement, tu patientes trop, les cartes, c'est les mêmes menus. Dans le resto, je vais voir. Ça me dit rien. Mais par exemple, est-ce que tu es capable de faire genre un dîner aux chandelles à Saint-Valentin, mais c'est toi qui prépares? Oui, pas ton mec. Oui, je peux faire ça. Okay. Et toi-même? Ben moi, je suis toujours le mec, donc oui, je peux aller au restaurant, décider que c'est moi qui paye, mais j'ai souvent l'impression que c'est toujours l'homme qui doit faire. Eh ben non, eh ben, si une personne est contre ce que Claude dit. Pense, téléphonez au 596 71 27 07. Racontez-nous ce que vous allez faire demain pour la Saint-Valentin. Oui, mais si la personne raconte, la fête sera gâchée pour la femme ou le gars. Moi aussi, mais bon. Faut pas raconter. Un petit, les anecdotes, ce serait mieux. Et dans un petit moment, nous avions un petit jeu sur Facebook où il fallait remporter un soin du visage éclat plus une microderma. Dermabiaison, c'est un microderme, plus un massage regard et une application patch complet avec la rosée du François. Institut Beauté du François. Donc, on va appeler le rose élu, ou la gagnante. Élu. Exactement. Dans quelques minutes en direct pour lui annoncer son lot. Donc, là, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec nos invités. On est... Un continent, simplement en voyant Abidjan.
cueillie dans la joie, la chaleur. Oui, je reviens. Passé par Cocody, Assini, Playa Club et Maki, une mouche était au cœur. Donc voilà, c'était le dernier clip de Lyncha en hommage au pays d'Afrique qui l'accueille apparemment assez bien. Donc on va prendre l'appel tout de suite. Donc Zouk TV, Zaïkonik, bonsoir. Donc tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Dukos. Ton prénom s'il te plaît? Loïc. Comment? Loïc. Loïc. Loïc, t'es timide, Loïc, on ne t'entend pas bien. Et Loïc. Ulrich, tu voulais nous parler de la Saint-Valentin, dis-nous tout. Mais je dis, si l'homme et la femme le plus, c'est la même dalle. Tu as dit quoi? L'homme et la femme, c'est un geste, l'homme c'est un geste aussi. C'est les deux. C'est le... Les deux. Les deux? C'est le geste. Parce que si tu veux faire le cadre de la femme et puis l'homme, c'est le cadre de la femme. D'accord. Ok, mais en toi, merci Ulrich de ton intervention. Ça fait plaisir. Ben oui. Ok, ben merci Ulrich. Donc, ben voilà, notre invitée est arrivée. Donc, la belle et talentueuse Ivy Jalta. Ivy Jalta, bonsoir Ivy Jalta. Bonsoir, c'est Ivy. Ivy Jalta. Ah, sorry, I'm not English. Ivy. C'est un Itrema, voilà. Ok. Ok, Ivy Jalta, comment vas-tu? Ça va très bien, tranquillement. Alors apparemment en 2019 on a une nouvelle Ivy Jalta. Oui, toute fraîche. Ivy, on t'a dit, tu dis Ivy toujours. Ah désolé. Non, je suis habituée. J'ai l'impression qu'il l'a pas dit normal. Je vais te penser à chaque fois que tu vas là. C'est un prénom spécial pour toi aussi. Ivy. Non, j'ai l'habitude. Ne me pas dire quelque chose. Later. Donc Ivy, alors parle-moi un petit peu de toi. Qui es-tu déjà? Alors, Ivy Jalta, jeune Morinoise de 25 ans maintenant. Mon Dieu, ça va trop vite. Donc, de la commune du Lorrain, chanteuse, danseuse et par moments modèle. Voilà. Okay. Oh, c'est complet, ça. Oui, on essaye. Il faut faire de belles choses, on essaie de faire des choses correctes. Quelle modeste. Elle est contente, c'est la commune du Lorrain aujourd'hui. Ah oui. Je vais faire venir tout le Lorrain.
Donc, Ibijalta, tu as Aïe. Ibijalta. Ça va être dur. Ça va être dur, ouais, parce que moi, j'ai toujours dit Ibijalta. Donc, Ibijalta, oui. Tu as commencé la musique depuis combien d'années? Alors, j'ai commencé dans la chorale des enfants, au Lorrain, avec Mme Sylvanise, à l'âge de 8 ans. Ensuite, j'ai fait la chorale des missionnaires de Dieu, avec les jeunes du Lorrain, la pastorale des jeunes, à l'âge de 15 ans. Et ensuite, j'ai fait ma première scène à l'âge de 16 ans, premier concert live, seul avec des invités tels que Orlan, Tony Chasseur, DLJ que je salue. Et ensuite, j'ai fait pas mal de scènes en tant que choriste. J'ai fait beaucoup de chœurs et jusqu'à ce que je puisse aujourd'hui proposer un album que je prépare depuis maintenant 8 ans. Ok, des chœurs comme... Pour Stella Gonis, pour Black Callaghan, le groupe Basengo, le groupe Elia, le groupe Diffé. Je fais des plateaux dancehall aussi. J'ai pas mal de plateaux dancehall. Et puis voilà, donc maintenant je me lance pour ma première carrière, le début de ma première carrière. Voilà. Okay. Mais Charlène, toi, 8 ans, tu faisais quoi? T'allais pas à la chorale? À 8 ans, j'allais à la chorale de Madame Sylvanise. Aussi. Sauf que ça n'a pas c'était marché. C'était ma maîtresse, avec ça. CM2. Ça n'a pas marché. C'était quel genre d'exercice? Tu t'en rappelles? On faisait des vocalises. Tu veux nous faire un petit peu de vocalises? T'es malade ou quoi? Si grippé. Mais non, mais lâche quand même, ça va dégager les glaires et tout. Ah! Très bien. Madame Sylvanise doit être amie jusqu'à un jour. Mais qui sait comment elle a capté mon montre à 20? Tu peux rentrer de la manger. Donc, mais comment tu as parlé de musique, de danse, comment tu es tombée dans cet amour-là pour l'artistique, musique, danse, chant? Alors, mon père, c'est un chorégraphe du ballet Afro-Caraïbe et du groupe Plastic System Bond. Oh! Okay. Voilà. Et ma mère, percussionniste et danseuse en fait, du ballet Pomme Cannelle. Avec voilà. Qui j'ai dansé, sa maman? Décidément. Elle te regarde, elle te regarde. Ça n'a toujours pas marché, en fait. Arrête, ah, ça marche. Je vais défendre parce que. Franchement, Charlène fait beaucoup de pas. De mouvements. De mouvements. Ça va sur aucun morceau, mais elle est quand même dans le rythme. Elle a le rythme. Elle a toujours, voilà. Mais j'aime bien mes chorés. Qu'est-ce que tu as Elle fait beaucoup de chorés. Beaucoup. Mais aujourd'hui, s'il y avait un domaine que tu devrais choisir entre la musique. Le mannequinat. Le mannequinat, la danse. La musique. Ah oui, la musique, clairement. C'est vrai que je m'exprime peut-être davantage en danse parce que ça fait plus longtemps que je danse seule. Mais ouais, franchement, s'il faut choisir, ce sera la musique. La musique, sous toutes ses formes, même en tant que choriste aussi, c'est vrai que j'aime beaucoup les harmonies, j'aime beaucoup faire les chœurs. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime vraiment ça, en fait. Pourquoi? Je sais pas, c'est les harmonies, c'est vraiment la chose qui m'attire le plus dans la musique. OK. Voilà, donc c'est simplement ça. Et parle-nous de cette décision-là de passer, tu parlais de choriste et tout, de passer de cette étape-là à écrire ton album. Enfin, je ne sais pas si c'est toi qui as écrit, c'est mais mon père. À produire ton album. En fait, c'est mon père qui a écrit mes textes. C'est lui qui a écrit mes 15 textes. Donc, on a commencé il y a 8 ans, sous une véranda. Voilà, il m'a dit qu'il souhaite me faire un album. Donc, un album conscient, créole et spirituel, c'est ce qui me représente. Donc, c'est ma façon d'être au quotidien. C'est comme ça que je vis, hein, finalement. Donc, il m'a dit que, voilà, ça va prendre du temps. Ça prendra le temps qu'il faudra. C'est vrai que beaucoup de producteurs ont voulu me produire. Mais on s'est dit que ce serait peut-être mieux de faire ça entre nous. Et effectivement, ça reste en famille. Voilà, ça reste en famille. Ça a pris beaucoup de temps, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis fière du résultat. J'ai pleuré, j'ai crié, j'étais déçue, j'étais heureuse à la fois. Et en même temps, je me dis qu'il faut passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir y arriver et puis proposer quelque chose qu'on aime vraiment. Je me suis toujours posé comme question, est-ce que c'est si difficile que ça d'écrire? Je ne sais pas, je n'écris pas. T'as jamais essayé d'écrire? J'ai essayé, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'écrire juste pour écrire. Si j'écris quelque chose, il faut que ce soit beau et c'est peut-être pas le moment, simplement. Ok. Voilà. Ben moi, je propose qu'on regarde un extrait de ton album, le clip, ton D'accord. dernier clip, pour voir c'est quoi Ibijalta en chanson. Charlène. Quoi, mais moi j'ai. Perco
présente pas qu'un riton net pote. Passionne pas qu'un fait ailleurs ballot. Donc voilà, c'était le clip de Ivy Jalta. Ivy Jalta. On va te revoir à chaque fois. Bon, ce que je t'appelle Ivy. Désolée, mais ça sera comme ça. Donc Ivy Jalta, oui. Oupasel, parle-nous un petit peu de ce titre. D'accord, alors Oupasel, c'est mon père qui l'a écrit aussi. C'est une composition de Jerry Spartacus. La musique derrière Norento. Et bon, c'est vrai que ce titre-là, ben, ça fait 8 ans aussi qu'on l'a écrit et on l'a retravaillé, on a changé de tonalité, on a fait beaucoup de choses, pour pratiquement tous les titres d'ailleurs. Et c'est un titre qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais vraiment envie de sortir avant tous les autres parce que c'est le début, quoi. C'est le début de l'aventure, L'homme ou bon la vie et Où passer, ce sont les deux titres qui m'ont permis de continuer, de proposer aujourd'hui l'album que je prépare. Ok. Mais Charlène, il me semble que tu voulais parler de quelque chose, parce que tu connais mieux Ivy Jalta que moi. Ivy Jalta. Oui. Alors, parle-nous de... C'est une association, Ice Event. Ice Event, oui. Une association qui propose des événements, on va dire des événements classe et adaptés à une clientèle correcte. Qui a eu l'idée de créer cette association? Alors, c'est Olivier Telga, c'est un jeune du marin. Il fait pas mal de choses au niveau de l'événementiel.
Voilà, donc il m'a appelé, hein, un jour il m'a demandé si je veux bien faire partie de l'aventure, sachant que je ne sortais pas tant que ça. Mais il avait entendu parler de moi en termes d'organisation, donc il m'a appelé et du coup je suis responsable des hôtesses et secrétaire d'ICMN. Alors si tu es dedans, juste un petit bonus pour le Lorrain, ce serait bien de faire des événements aussi dans ce secteur. Alors on a essayé le Nord, on a essayé à Sainte-Marie, ça s'est très mal passé, mais c'est un échec, on ne va pas dire que c'est un échec, hein. C'est une expérience et on va essayer de faire les choses différemment. Oui, voilà. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de boîte de nuit en plus par là. On a essayé, hein, ça n'a pas fonctionné, je crois. On fera les choses différemment, on va essayer différemment. Et qu'est-ce que je me pose, qu'est-ce que Ivy Jalta ne fait pas? Je ne sais pas nager, par exemple. Non, c'est vrai. Oui, mais nous sommes deux. Ouais, je ne sais pas nager. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je ne sais pas faire. Non, il y a pas mal de choses que je ne sais pas faire. En tout cas, j'essaie d'avoir la moyenne dans tout. On va pas dire que je suis excellente en danse ni en chant. J'essaie d'avoir la moyenne, de faire les choses correctement sans pour autant vouloir dépasser qui que ce soit. Je me dis qu'on est là, chacun fait ce qu'il sait faire et puis on fait les choses ensemble, quoi. Mais Ivy Jalta, ça a fait la Saint-Valentin ou pas? Non. Sinon, en parlant de tu nous as dit que tu es très spirituel au niveau de tes sons, s'il y avait un autre style musical que tu aurais pu chanter, ça serait lequel? Bon, en fait, sur mon album, il y a de tout. Il y a de tout, il y a du blues, il y a du rap, il y a du reggae, il y a de la musique orientale, il y a de tout, mais c'est oriental. Vrai que... Oui aussi, oui. Mais je garde quand même ma créolité dans tout ce que je fais, parce que c'est ce qui me représente. Et même sur scène, je chante pieds nus. On peut entendre quelque chose? Et en parlant de quoi? On peut entendre quelque chose? Deux. On peut entendre... Un autre titre? Que tu nous chantes un petit truc, là. D'accord. I don't conceal when la caille l'esprit me touche, yeux me canaille, sentime gâtoufé. Trop souvent, moi, agis sans même réfléchir. Garé, je suis même moi, et j'en dis, mauvaise idée qu'a accablé moi. Wow. Merci. Une belle voix. Merci. En tous les cas, pour faire la transition, parce qu'on a parlé d'événementiel, il y a des... Ben, je te laisse, Chocolat. Oui, il y a deux tickets à gagner pour la Flowers. C'est donc la Flowers, c'est le 17 février à la Voile Blanche. À la Voile, exactement. Donc appelez au 05 96 71 27 07. Et soyez belle avec vos fleurs et tout. Donc voilà, le 17, la Flowers à la Voile Blanche, mais aussi le samedi 16 février, la Hot Spicy à la Marina du Robert. Et aussi des soirées pour la Sex Toys pour New Cooking, le 16 février aussi à la Villa Jacques. Donc vous avez compris. Il y a beaucoup de cadeaux, hein. Il y a beaucoup de cadeaux. Donc si pour la Saint-Valentin, votre copain vous disait, ils sont tout seuls et tout, vous avez de quoi lui proposer. C'est le moment d'appeler, tu rappelles deux fois, tu gagnes deux fois ton ticket et tu vas avec ton copain. Je ne comprends pas. La Saint-Valentin, ton copain dit qu'ils sont tout seuls, j'ai pas compris. Mais ma fille, on est gentil, hein. Donc voilà, ben on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec notre invité Ivy Jalta et puis Chocolat et Charlène. Et Claudie. N'importe quoi. Mes premiers pas, mes premières fois, mes premières larmes.
près de toi, je ne m'inquiète pas, tu seras là. Mes échecs et mes victoires, même tard le soir, dès que j'aurai besoin de toi, tu seras là. L'amour en joue, l'amour bat la vie. Et j'entends parler de père, de papa qui n'assure pas. En ce qui te concerne, tu as toujours été là pour moi. Je m'inquiète pas, tu seras là. Mes échecs et mes victoires, même tard le soir, dès que j'aurai besoin de toi, tu seras là. Like. Donc voilà, c'était la chanson de Ivy Jalta en hommage à son père, une dédicace à son père. Une dédicace parce qu'hommage. Naïli Jalta, oui, avec ma petite sœur. C'est une reprise d'Admiralty. Alors ton papa, quand il a écouté ça la première fois? Ah mais il a pleuré. C'était à l'occasion de son anniversaire. On a fait une petite surprise pour lui dans une salle et puis on l'a interprété. C'est DJ Charlan qui a fait l'instrumental. Et du coup, on l'a interprété pour lui. Il ne s'y attendait pas du tout. Donc, c'était une idée de ma petite sœur. Et donc, du coup, il a pleuré. Voilà. Et en parlant de ton album qui va sortir bientôt, est-ce qu'il y aura des featurings sur cet album? Oui. Alors, on a David Obadja. Ah, quand même, qu'on a reçu. Mm-hmm. Très bon chanteur. Ah, ouais. Colo Barst, ma petite sœur, Naïli Jalta, et ma belle-mère, Vanessa Jalta. Ah, la petite sœur aussi est chanteuse. C'est une famille d'artistes. Oui, voilà. C'est une famille d'artistes. C'est la chanterie. Aïe, 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 une famille d'artistes. T'as raté quelque chose au nord, hein? C'est quoi mon talent? Je monte sur scène et j'essaie de faire rire les gens. C'est un grand talent. Oui, c'est un talent. Ah oui, il faut être doué pour faire ça. Je suis d'accord, il faut avoir du cran. Plus que du cran. Oui. Parce que quand les gens ne rigolent pas, tu sais pas quoi faire. Non, tu continues, tu continues. Dès que tu te fais rire, c'est l'essentiel. Ben voilà, mais en tout cas, Ivy Jalta, c'est une jeune artiste que moi je connais pas, que je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu parler, puisqu'on la voit dans les groupes de carnaval, sous scène. Je t'avais déjà vu Follicle, je t'avais jamais vu en prestation seule. Mm-hmm. Mais est-ce que tu as déjà eu. Comment t'expliquer ça? Le rapport que tu as avec le public lors de tes prestations, qu'est-ce qu'on te dit souvent? Alors, au début, j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'est vrai que. En faisant des chœurs pendant longtemps, t'as peut-être la deuxième place, quoi. T'es derrière, bien que j'aime beaucoup faire les chœurs, mais c'est quand même, voilà, c'est comme un confort, quoi. Tu es là, tu es dans ton petit cocon, tu fais le travail qu'on te demande de faire. Et il n'y a pas forcément cette approche-là avec le public. Et c'est vrai que maintenant, comme je monte sur scène et que je chante, moi, mes titres, c'est totalement différent. Les gens viennent, il y a des personnes qui viennent te voir. Tu m'as fait pleurer, toi, t'es choquée, tu te dis, ah bon, ok. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal. Jusqu'à maintenant, hein, j'y travaille, j'ai beaucoup de mal avec le contact public chanteur. C'est quoi, je suis tellement naturelle, en fait, que j'ai du mal à me voir comme quelqu'un qui donne autant de sensations, quoi. Mais tant mieux, au moins tu restes humble. Et oui, c'est important ça, c'est très important. Tu as dit ta première scène, 16 ans, toute seule, entre les deux, de grands talents de la chanson. Mm-hmm. Attends, je pense que a évité un problème de mémoire. Ouais. Parce que tu avais participé à un concours qui s'appelle Teen... Ah, Laurine Star. Ta première scène seule. Oui, mon premier concert, on va dire. Mon premier concert seul, c'était à l'âge de 16 ans. Mais c'est vrai que j'ai participé au concours Laurine Star. J'ai fait pas mal de concours. Tu l'as gagné d'ailleurs? Non, je l'ai gagné au niveau de la mode et c'est Alexia. Ah oui, Alexia qui a gagné. Voilà. Alexia, qu'on n'entend pas parler d'elle un jour.
Je vais la faire venir, ne vous inquiétez pas. Laurent en force, décidément. Donc, je te disais, à 16 ans, faire une scène entre mm-hmm. les deux grands talentueux de la chanson, Antillaise, pardon. Qu'est-ce qu'on fait après d'être sorti sur scène? C'est quoi? On se dit, ouais, je veux continuer dans cette branche-là ou bien... Ah oui, mais clairement, parce que, en fait, au début, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils répondent favorablement. J'ai posé la question en me disant, ce sont des artistes que j'écoute depuis que je suis petite, qui ne tentent rien à rien, je demande. Et du coup, ils m'ont dit oui tout de suite. Donc, forcément, ça donne quand même la pression. Et de partager la scène avec eux, c'est quelque chose d'incroyable. Ah, je vous l'assure que c'était une très belle expérience. Une première expérience en solo et vraiment belle expérience. Bien entourée, en tout cas. Mais où te trouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ont envie de suivre ce que tu fais? Alors, sur Facebook, alors Ivy Jalta, mon compte, et j'ai aussi une page fan à Ivy Jalta. Sur Instagram, je suis très active sur Instagram, Ivy Jalta, et puis sur Snapchat, Ivy Jalta, sur YouTube, Ivy Jalta, partout sur Ivy Jalta, voilà. Donc ben là, on va appeler, parce qu'on avait un petit jeu pour la Saint-Valentin. Oui, c'est l'amour, on va parler d'amour aujourd'hui, parce que demain, c'est la fête de l'amour, même si autour de la table, elles sont anti-amour. Oui, on a un appel, donc c'est l'heureuse élue, la gagnante, qui a gagné son... Un soin du visage éclat, plus une micro... Je ne vais pas dire le mot. Voilà. Plus un massage regard et application de page complète. Donc, on va prendre l'appel. Donc, Zaïkonik, bonsoir. 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 Donc, il me semble que tu te prénommes Andrea. Oui, c'est ça. Andrea, tu nous viens d'où? De Port-de-France. Alors, Andrea, tu sens comment la Saint-Valentin, ça va se passer comment? Comme tous les jours. Ah mais oui, c'est tous les jours. Je vais pas attendre 14 pour lui dire oh, je t'aime ou lui acheter quoi que ce soit. Ben, c'est parce que c'est tous les jours que ton mot nous a fait plaisir. Hein. Elle a manqué juste un petit mot, genre... J'ai pas besoin de dire plus que ça, tu vois. Voilà. Non, mais c'est franc, direct et sincère. Hein. Pas c'était si sincère et si court. Que tu as gagné. Donc voilà, ben. Quoi? Qu'est-ce que tu disais? J'ai pas entendu. Non, mais on te disait que tu as été tiré au sort pour gagner un soin du visage éclat avec un massage regard et application de patch complet pour deux personnes, donc toi et ton compagnon. Tout ça grâce à l'Institut de la Rosée. L'Institut de beauté, la Rosée au François. Donc bon, tu nous envoies des petites photos en message privé sur la page Facebook. J'espère que tu vas bien profiter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne Saint-Valentin. Et une bonne soirée, parce qu'elle a aussi une bonne deux... soirée. Et aussi, une bonne soirée, parce que tu repars avec deux soirées pour la Sex Toys, Nuit Coquine, le 16 février à la Villa Jackie. Qu'est-ce qu'il y a, Charlène? Elle fait la grimace. Tu vois, avec l'actrice. Tu vois, la Villa Jackie. Il manque Michel. Si elle s'appelle Michel, ce serait chaud. Donc, ben, Andrea, tu nous envoies des petites photos de ton petit moment de plaisir avec ton compagnon et puis on espère que ça. Tu peux cacher son visage, ça ne nous dérange pas. Donc, j'espère que ça te fait plaisir. D'accord. Oui, ben en tout cas, merci à vous, c'est super gentil. Merci à toi. Et puis, voilà, continuez comme ça. Ok, merci. Antoine, merci en regard de ton appel. Merci. Donc voilà. Bon, on va faire une petite pause clip parce qu'en deuxième partie, avec Vijal, tu restes toujours avec nous. Parce qu'en deuxième partie, on a un groupe de carnaval. On va écraser le plateau. Avant de tourner l'émission, je pense qu'avec Vijal, ça va nous faire une petite clip. Avec bon, Charlène, les deux c'est danseuses. C'est pas son groupe de carnaval, mais elle va s'arranger avec les membres du groupe après. Et puis Charlène aussi qui va nous. Ah bah, on s'est fait. Je n'ai pas les bonnes chaussures. Tu peux retirer. Donc, on fait une petite pause clip et puis on retourne tout de suite en deuxième partie avec Ivy Jalta et le groupe Mada Vice. Vivo.
Donc ben voilà, nous sommes de retour avec nos invités, ma petite bande de chroniqueurs, chocolat, rouge comme l'amour, Charlène qui est en deuil. Jalta, notre chanteuse qui a une carrière bien prometteuse. Et puis on a le vice-président, c'est ça? Ouais. Ou le vice-président, Jeffrey, qui représente le groupe Mada Vibes, ouais, qui est là avec nous, qui dans quelques instants vont nous faire une petite représentation. J'espère que vous allez retourner le plateau parce qu'on est chaud. La semaine dernière, on avait un groupe. C'était chaud, donc faire la boyotte. J'espère qu'on vous attend au tournant. Okay. Donc voilà, mais avant tout, tous ceux qui sont autour de la table, bon, Stéphanie peut aller avoir raté l'occasion. Il y a un jeu, et bien sûr, qui dit jeudi gain. Donc c'est un repas dans un très beau restaurant, super bon, délicieux. Quand même. Tu penses que moi, j'ai une tête à envoyer quelqu'un, un knack-knack. D'accord. Donc en fait, vous allez me donner trois réponses, vous aurez trois secondes. Trois réponses. Il faut me dire trois choses à chaque fois, c'est trois choses. Vous avez dit à regarder, vous avez tout est permis. Ouais. Ouais, mais bon, voilà quoi. Je regarde pas. Donc Yannick. Donc à chaque fois, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Le premier qui lève le doigt. Ah, il faut lever le doigt. Lever le doigt, c'est quoi ça l'école? Je pensais qu'on va dire un bruit. Je pensais qu'on va répondre. Gink. Si tu veux faire gink avec ta bouche, tu fais gink. Donc Yannick, quand tu es prêt, alors. Trois choses que l'on peut trouver sur une table de Saint-Valentin. Des roses. Une bougie, des roses. Avec une bougie, des roses et n'importe quoi. C'est plus bon, j'ai déjà dit. Avance quoi. Non, déjà non, c'est Lucas Levy. Ah oui, il faut lever le doigt. Ah ouais. Donc dis-moi. Alors, ben, sur une table de Saint-Valentin, on peut trouver une assiette, un verre et des couverts. Ah bah oui. Très bien. Ah bah très bien. Non, il a dit quatre trucs. Il a dit quatre trucs. C'est bon, c'est magnifique. Des couverts. Attendez, je commence le jeu. Dis-moi un mot par rapport à la Saint-Valentin. Toi, ça sera rose. Mais pour toi, quand quoi? Quand tu veux répondre, tu dis rose. Ah, ok, rose, ok. Ah, toi, amour. Maman, tu exagères. Amour, elle, c'est rose. Une seule syllabe, moi, c'est deux. Tu exagères. Rose. Amour. Alors, amour, rose, Valentin. Fleur. Ça va vite. Donc, alors. Maman, t'as la vie, quoi, c'est d'amour. Alors, trois mots doux qu'on peut dire lors d'une nuit romantique. Amour. C'est mon maman. Amour, chérie, oui. Ça fait trois points. Oui, c'est un mot romantique. Oui, c'est un mot romantique. Ah ouais, vraiment. Bon, ça fait un point pour ça, Charlène. Alors, trois gémissements lors d'une nuit romantique. Ah. Il faut dire. Ah. Rose. Oui, hein, Rose, vas-y. Moi, Rose. Ah. Trois. Oh. Ça fait un point. Allez. Trois cadeaux que l'on peut offrir à la Saint-Valentin. Rose, sous-vêtements et parfum. C'est bien. Alors, trois choses qu'on peut faire après. Non, mais ça me fait un point là. Tu mets mon point. C'est vrai. Ça me met mon point. Alors, trois choses que l'on fait après la nuit de la Saint-Valentin. Amour. Non, après. Après, non, mais. Amour, non, aussi non, 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 non. Non, mais la face. Alors, vas-y. Pas bouc. On se douche. Heureusement. On fume une clope. On douche le compagnon. Maman. Et on le savonne. C'est bien. Ça fait deux pour Charlène. Alors, trois choses qu'il ne faut surtout pas faire lors de la Saint-Valentin. Valentin. Maman. Oh. Alors, déjà oublié la journée. Ah, c'est sûr, ne pas faire de cadeaux et puis ne pas dire, surtout ne pas dire on va remettre ça plus tard. J'avoue. Bon, en tous les cas, les gars de Suran, de votre participation, parce qu'il n'y a aucun, il y a aucun restaurant. C'est ce que je fais. C'est pas grave. Merci de votre participation. Donc maintenant, on était sûr, toi, on fait un truc. Donc, ben, on est avec nous, Jeffrey de Mada Vibes. Donc, Mada Vibes, c'est un groupe de carnaval. Parle-nous un petit peu de ton association. Alors, on est avant tout une association de Dillon, du quartier de Dillon. Donc, là, ça fait 4 ans qu'on existe. On va sur le 5e carnaval. 6 ans. 6 ans. Mm-hmm. Ah ben dis donc. Ben j'ai raté une année, donc voilà. J'ai raté la première. Donc là maintenant, ben on essaie de fonctionner. Hein. On essaie de fonctionner. On est en pleine phase de recrutement. Même vous êtes si combien là, à quelques... peu près? On est une trentaine de musiciens.
Donc là, on est quand même en train de recruter. Alors oui, on a une section danse toujours. Toujours. Le groupe existe pour ceux qui pensent que le groupe n'existe plus, parce qu'il y en a pas mal qui le pensent. On essaie de fonctionner. On essaie de fonctionner et on recrute en ce moment parce que... Il n'est pas trop tard quand même de recruter. Non, justement, on se dit que toute l'année, on peut recruter parce que vraiment, c'est avant tout... c'est une association, mais c'est avant tout une passion. C'est pour ça qu'on continue à tenir le groupe parce que, comme dans toutes les associations, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. On a été vraiment à la limite de l'extinction. OK. Mais on essaie toujours de tenir le groupe et puis de faire en sorte de continuer l'aventure. Donc, on invite toute l'année tous ceux qui veulent y participer. Qu'est-ce qui donne envie d'aller dans votre groupe et pas dans un autre? Exact. Alors, je dirais la diversité musicale. Parce que vraiment... certaines personnes diront que lorsqu'il s'agit de Malavibe, c'est juste du son ou bien du bruit qu'on fait. Non, il y a toute une recherche musicale. C'est une réalité compte ici. Hein. on aime ça, donne-nous le nom. On est là pour ça. On aime les problèmes. Bien heureusement, je ne connais pas les noms parce que c'est toujours des personnes rencontrées dans la rue. Okay. C'est toujours les on-dit, de toute façon. Voilà, exactement, ce sont des on-dit en général. Mais il y a toute une recherche musicale qui se fait avant tout. Et on essaie vraiment de trouver... on met toute une harmonisation dans les instruments pour vraiment mettre sur chaque son l'instrument qu'il faut pour pouvoir avoir un son digne de ce nom. Madame, excuse-moi de t'interrompre, madame, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Comment on fait pour gérer un groupe de jeunes? Alors... On regarde les rues, là. Ça promet. J'imagine. Parce que je sais que quand il y a que des jeunes, c'est chaud. Dur, la répétition, vraiment, ça doit être. Ça suffit, nounous, arrête. Ah non, bien heureusement. Bien heureusement, bon, c'est nounous le leader. Il est devenu leader. Il met aussi un certain sérieux dans ça. Parce que si c'est une passion pour moi, c'est vraiment une passion pour lui. Il a toujours été dans la musique. Et non, il prend vraiment. Il est chanteur, nous, en plus, il me semble. Il est chanteur. Oui, nous sommes dans la même chorale, okay. Justement. Une chorale en plus. La chorale de Sainte-Thérèse. Yes. Et déjà, on a l'habitude des groupes, justement, de jeunes. Mais on met un certain sérieux à quand même garder la notion de respect, d'organisation, etc. Même si par moments, c'est compliqué, effectivement, quand on met un peu d'alcool et tout ça. Ah, c'est comme ça les répétitions. Mais qu'est-ce que tu croyais? Pas spécialement les répétitions, mais bon. Voilà. Vous répétez quand, où et quand? Quand il y a, on consomme. Vous répétez où et quand? Alors, on répète sur le parking du stade de... Aimé Césaire, excusez-moi. Pierre Aliker. Aimé Césaire, c'est l'aéroport, ça. Donc, on répète sur le parking au niveau du petit circuit de cartes. Ok. Voilà. Mais en tous les cas, Jeffrey, on te laisse te préparer. Merci. On se met maintenant. Le plateau, c'est à toi. Donc, à nous. À nous. Écraser la maison. Et nous, on a perdu notre boulot. Allez, bye. C'est bon, on finit. Donc, vas-y. Pas se décrocher. Charge-toi. Mais voilà, c'est le groupe Madame, parce que je pense que vous pouvez rencontrer. J'ai hâte d'entendre la diversité musicale. J'ai une nuit entre dans tes oreilles, choupette. Je vais même sortir de là, d'ailleurs. Mais voilà, mais chers téléspectateurs, c'est le moment de profiter. Levez-vous chez vous, poussez la table, le fauteuil, on s'échauffe. Moi, je monte sous la table. Déjà même. Moi, je me mets debout parce que... Allez, vous avez 6 minutes, c'est à vous. Lâchez-vous.
enfants. C'est fini. Je crois qu'il va lancer. Vas-y, Patrick. Voilà, ma fille. Tant pis, en fait. Attends, j'étais en train de danser, je suis là. Si je tombe, je serai la deuxième confuche des vacances. Voilà, c'était juste comme vous avez pu apprécier de chez vous le couple. Madame Weiss, où est-ce qu'on peut vous rencontrer les parades à venir pour les week-ends? Alors, les parades à venir pour le week-end. On a des parades? Non, mais c'est quoi? C'est la présidente. Oui, la Carnival One. Alors, moi, je suis presque présent en ce moment parce que bon. Eh ben, est-ce que quelqu'un peut répondre à ta place? Carnival One. Non, viens répondre, s'il te plaît. Le leader. Viens répondre. Alors, pour vous voir, c'est quand là, les prochaines les prochaines... Alors, ce week-end, vous êtes où? On est à deux endroits samedi. Voilà. Mm-hmm. Samedi à 16h, on est sur la Carnival One. Oui. Et samedi soir, on est à la parade de Saint-Thérèse. Ah ouais, je ne sais même pas qu'elle est. Est-ce qu'on pourra vous voir lors de la parade de Fort-de-France? Pendant les jours. Hein, oui, pendant les jours. Et la bête à fait, non? Tous les jours. Tu sais pas encore, ok. Justement pour vous parler, etc. Ouais. Mais normalement, ça devrait se faire. Les jours gras. Vous avez une page Facebook, on puisse vous suivre, comme ça on se met au courant. C'est MDV Carnival. MDV Carnival, exactement. Okay. En tout cas, vraiment les gars, les filles, parce que c'est pas évident. Ouais. Tiens, Béred, hein. C'est quelque chose. Merci. C'est vraiment quelque chose. M'avait donné chaud. Mais depuis cette musique, ma fille. Elle avec son dernier titre, ou pas celle. Très bien. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, mais partout. Ivy Jalta, sur Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Ou prochaine tout scène tout. Pour... Alors, non, là, je finalise l'album, je finalise la promo, donc pas de scène pour le moment. Mais en tous les cas, on va te retrouver dans les Woody Carnaval. Oui, oui, avec Plastic le System Band. Plastic System Band. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tous les cas, demain, c'est la Saint-Valentin. Partage, amour. Je sais, Chocolat va m'offrir plein de roses. Je sais pas. Tu vas faire faire un gobine, te donner une folie. Je sais que pas, me l'en freiner, moi, Fort de France. Moi, j'ai pas à pied. Chocolat! Donc voilà, ben on remercie Madame Vibes et Ivy Jalta, ouais. Chocolat, merci Charlène, Claudie. Merci. Toi aussi, très bonne Saint-Valentin, puisque oui, je sais très bien que tu vas bien profiter, je vais bien manger, j'espère que j'ai plein de cadeaux. Sinon, je quitte la maison. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Non, mercredi prochain, on n'est pas là. Donc, on se retrouve le 27 février avec un groupe de carnaval de Saint-Luce, c'est ça, si je me trompe. Tu te trompes pas, c'est bien ça, Saint-Luce. Le nom. J'ai oublié, mais c'est Saint-Luce. Et on sera en mode émission 100% carnaval parce qu'on aura Alain Ajax des 12 salopards. Exactement. Voilà. Et on va écraser la maison encore. Une fois, avant le carnaval. Donc voilà, ben, précaution. Et puis, à mercredi. Ah, au 27. Prudence, votre échappement.